Mon poussin, je suis là. Au revoir, les filles. Et prenez soin de vous. Ah, qu'est-ce qu'il y a, non? Je veux prendre ma place, non? Pourquoi vous m'empêchez, hein? Tu portes deux pieds gauches et tu veux faire allaiter, toi. Deux pieds gauches. Tu n'as pas de deux pieds gauches. Ma chérie, tu n'as pas de tes pieds. Regarde-moi très bien. Je m'en fous. N'importe quoi. Espèce d'idiote. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer le feu. N'essaye même pas ça avec moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Oh, va de ce côté. Avance, avance. Bouge d'ici avant que je ne te donne une raclée. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ne viens pas ici. Viens là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est nouvelle ici? Celle-ci est nouvelle ici? C'est quoi ton problème? Allez, fous le compte là. S'il te plaît, ne t'occupe pas d'elle. Je vais te donner une gifle. Ne me tente pas si je te gifle. Essaye pour voir. Vous voulez vous battre, vous ne travaillez pas. Allez, bouge ton trou à rat d'ici. Vous ne me connaissez pas? C'est celle de derrière qui me plaît. Pour qui est-ce que tu te prends? Je ne peux pas toutes vous prendre. Et qui es-tu? Regarde sa voiture. Allez, bouge ici. S'il te plaît, dégage avec ça. Bouge ton trou à rat ici. C'est celle-là que je veux. Allez, retrouve-moi dans la voiture. Mais regarde-moi. Comme il m'a choisi. Regardez ce cafard. Pour qui se prend-elle? Allez, va-t'en, va-t'en. Dégagez d'ici avec votre fils. Ta famille doit vous tuer ici. La famille doit vous tuer ici. Bande de putes. Regardez-la. Oh, bande de putes. Regardez-la. Pute de bas étage. 10 000, compte les deux fois et tu auras 100 000. Les putes de 200 Naira. Regardez-la. Regardez-moi. Pardon, laissez cette fille stupide partir. Elle ne sait même pas où elle s'en va. Laissez-la. C'est quel genre de fille, ça? Je vais me trouver un bon client. Oh, allez, viens, viens, chérie. Regardez-le partir. Évidemment, évidemment que tu es sexy, chérie. Allez, voilà, confirmez le produit. Oui. Confirmez. Oh, oui, ne la gère pas. Nous sommes depuis plus bas étage. 10 000. 10 000. Regarde cette fille, elle se vend. Allez, dégage de là, tu n'es qu'un produit de vêtu. Elle ne sait même pas ce qui va lui arriver. Elle ne sait pas. Regarde, et toi, tu la défends? Qui es-tu? Hey, voilà un nouveau client. Oh, non, mais vous vous prenez même pour qui? Pourquoi tu arrives? Essaye que je réfléchis. Viens me frapper. Viens me frapper. Salut. Je veux celle-là. Tu en sais quelque chose? Et client code 9, je suis à ta disposition du bon chocolat. Je peux bouger dans tous les sens que tu veux, tu vas aimer. Je peux entrer? Entre. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu t'en vas? Bête! Bête! Ouh! Bête! Ouh! Ça, c'est ma mère! Tu es déjà entré dans une voiture dans ta vie?
Oh, dégage, s'il te plaît. Moi, j'ai déjà vu mieux que ça. J'ai déjà vu mieux que ça. N'importe quoi. Mais c'est incroyable, ta maison est jolie. Alors, qu'est-ce que tu dis? Où est-ce que le match va se jouer? Viens avec moi. Dis-moi, tu es timide, tu as honte? C'est dans cette chambre que va se passer l'action. Bon, et mets-toi à l'aise. Mauvais garçon. J'espère qu'on va bien profiter du match. Je suis même d'abord épuisée. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gars? Regarde-le. C'est quoi ce genre de client? Mais, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as amené chez toi pour venir visionner. Et tu m'as dit de me laver, je l'ai fait, j'ai terminé, j'étais attendu, le sommeil m'a presque pris. Et tu es là à visionner, mais parle-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux que tu restes ici. Et tu te fous de moi? Nous avons conclu 50 000 naira. Tu ne m'as pas donné mon argent, on ne l'a pas fait. C'est toi qui ne veux pas faire, je me suis apprêté, je t'ai attendu, tu n'as pas voulu. Monsieur, donne-moi mon argent, je vais rentrer. Je vais te payer 200 000 naira par jour si tu restes. Hein? Tu y as dit quoi? J'ai dit, je vais te payer 200 000 naira par jour si tu restes. Affaire conclue ou pas? C'est quoi ça? Tu aurais dû commencer avec un bonjour. Tu dois changer tes vêtements. C'est ce que je peux t'offrir pour le moment. Je vais te montrer à quoi ressemble ma cuisine. Par là. Alors voilà la cuisine. Ici, tu as tout ce qu'il faut pour faire un bon repas. Là, là et là, y compris le frigo. Tu peux trouver tous les ingrédients dont tu en auras besoin. Ok. Oui. Mais où est ta famille? Pourquoi est-ce que tu vis seule? Il y a un bruit
sauce aux œufs épicés. On avait parlé de 150, mais tu as donné 200. Le travail n'était pas bon, mais tu as beaucoup payé le conducteur. Soyez les bienvenus. Comment vont les affaires de la nuit? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est toi qui m'as mis dans une affaire. Occupe-toi de tes affaires dans cette maison. Occupe-toi de tes affaires dans cette maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste demandé comment allaient les affaires de la nuit. Attends d'abord. Pourquoi est-ce que tu dis tout ça? Aide-moi à lui demander ça. Écoute, si tu ne t'occupes pas de tes affaires dans cette cour, elle en fait trop dans cette cour. Mais elle exagère. Je veux taper ma sœur. Toi, elle va la taper. Mais pourquoi tu demandes que je la taper? Je sais que tu peux la taper. Regarde-toi, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde-toi, sale pute, regarde-moi, c'est sale pute, espèce d'idiote inutile, et toi? Avec ta gueule dans cette concession, si tu ne la boucles pas, je vais le faire pour toi. Fais très attention, passez votre temps à faire le commérage. Toi, tu me poses des questions. Je vais la broyer et je vais tuer ta mère. Écoutez, hein, espèce de vaurien. Vous êtes... C'est ta mère qui t'envoie, n'est-ce pas? Ta mère dit que tu viens ici. Écoute, ta mère et toi, hein, je vais vous réunir tous les deux ensemble et vous taper comme des voleurs. Tu me regardes? Allez, disparais. Regardez ses yeux. Stupide femme, tu parles d'affaires comme si tu m'as donné l'argent pour une affaire. N'importe quoi. Elles sont chanceuses que je ne sois pas d'humeur à me battre aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à me battre. Il allait y avoir mort d'homme. Bande de cafards! Ce n'est pas de leur faute. C'est nous qui vivons ici. Mais c'est quelle journée de merde ça, hein? Nous nous sommes placés là-bas pendant des heures comme des idiotes. Aucun client. Oh, pas même eu la chance qu'un client l'a porté. On dirait qu'on l'a juste accompagné faire son travail. Mais non, chérie, regarde-moi, non? Regarde-moi, je suis dans cette tenue sexy. Et tu sais que je dois encore Anita pour cette tenue. Je n'en peux vraiment plus. S'il te plaît, nous devons changer notre lieu de travail parce qu'on dirait qu'il y a la poisse là-bas. Nous devons changer notre lieu, s'il te plaît. Ah, je dois d'abord me reposer. Je vais prendre une douche. Pourquoi est-ce que celle-ci se repose maintenant? Eh bien, prochaine étape. Je ne peux pas. Non.
Tu as l'air de t'y connaître. Je m'y connais. Vraiment. Et je suis sûr que tu aimes cuisiner avec de l'alcool, hein? Je ne bois pas. Tu ne bois pas? C'est surprenant. Je croyais que l'alcool allait dans le même sens que ton travail. Elle ne boit pas. Ton repas est servi. Ok. Voilà mon siège. Je croyais... Les propriétaires de la maison s'assoient sur ce siège. Eh bien, ça c'est pour des gens ordinaires. Assieds-toi là-bas. D'accord. Je vais aller m'asseoir sur le siège des gens ordinaires, et comme la personne ordinaire que je suis. Je m'assois sur le siège des gens ordinaires. La raison pour laquelle je t'ai fait asseoir sur cette table, c'est parce que ça fait un temps que tu es ici et je ne connais toujours pas ton nom. Alors, mademoiselle ordinaire, quel est... ton vrai nom? Quel est ton nom d'affaire ou ton nom dans la rue? Je m'appelle Hope. Hope? Qu'est-ce qui est drôle? Je m'appelle Hope. Je te crois. Délicieux. Je t'ai dit que je savais cuisiner. La réponse à un compliment est censée être un merci. Je devrais te remercier parce que je sais cuisiner. Tu devrais me remercier parce que je t'ai fait un compliment. Merci. Pas de quoi, Hope. Comment se fait-il que tu n'aies aucune photo sur les murs? Parce que tu as perdu tes photos. N'as-tu pas de famille? N'as-tu pas une mère? Un père? Ou du moins un frère? N'as-tu pas les manières de table? Quand nous mangeons ici sur cette table, on ne parle pas, Hope. Hope, qu'est-ce qui ne va pas avec mes pieds? Hope, Hope, viens, je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger, viens. Hope, viens, viens, je ne peux pas bouger mes pieds, viens, viens, Hope, s'il te plaît, viens, je ne peux pas bouger mes pieds, viens, Hope, viens.
Oh, viens, s'il te plaît, allons-nous-en d'ici. Viens, s'il te plaît, viens. Viens, viens, Hope, s'il te plaît. Viens, 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 viens. Hope, Hope, viens. Hope, Hope, viens, viens. Hope, Hope. Papa, comment tu vas, papa? Jaden, tu m'as manqué. Jaden, Jaden. Non, ne fais pas ça, fais pas ça. Il est tout à moi. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Fais pas ça, s'il te plaît. Jaden est mon fils. Il est à moi, tout seul. Il est tout à moi. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Jaden, parle à papa. Fils, Jaden. Jaden, parle à papa. Fils. Parle à papa, Jaden. Parle à papa. Jaden. Thank you.
C'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Ce ventilateur, je te l'ai dit. Ok, ok, on verra bien. Viens le chercher. Suivez-moi, suivez-moi. Tu es sûr de ce que tu parles? Tu parles encore? Très bien, cause toujours. Oh, Gasolo, c'est qui la mène? Attendez, je vais vous dire. Payez votre loyer et l'argent de sécurité. Payez! Payez le. Entre l'argent de sécurité et le ventilateur. Le problème est que tu n'as pas pris. Voilà, tu vois ça? Ok, viens chercher ton ventilateur. On verra. C'est toi qui l'as acheté. Tu l'as acheté? Tu sors d'ici tous les jours. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Paye le loyer. Tu vois ça? Ok, donc. Tu vois la bouche? Elle continue de parler. Je t'en supplie. Tu vois? Je te le promets, cet argent, je te le donne demain. Je vais le réparer. C'est moi qui t'ai dit. Je vais vous dire un truc. Tous les jours, demain, 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 madame, ce travail que vous faites, si ça ne paye pas, laissez tomber. Cherchez autre chose à faire. Tu nous as donné un travail? Tu n'as pas de travail? Tu vois? Tu vois, celle-ci ne va jamais réussir. Monsieur Solo, je t'en supplie, cet argent, je vais te le donner demain. Je te le promets. Demain, 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 demain. Ce travail de nuit que vous faites, est-ce que vos clients de nuit vous disent je demain? Je ne comprends même pas. Pourquoi tu me dis je demain? Comment est-ce que tu vas le comprendre? Mais non, elle parle toujours. Toi, non. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Venez c'est quoi chercher. Ton problème? Je t'en supplie. Où est-ce que tu crois mener ce ventilateur? Je t'en supplie. Où est-ce que tu parles avec ça? Je t'en supplie, Oga. Ok. Écoutez, si je viens demain, ce n'est pas le ventilateur que je vais porter. Je vais porter tout autre chose. Je ne pourrai rien prendre dans cette maison. Tu l'as entendu? Tu n'es pas bien né. Tu vois? Calme-toi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, je vais voir si le bailleur ne va pas te chercher. Moi, le concierge, tu me dis que je ne suis pas bien né. Tu ne sais pas ce que tu dis. Allez, fiche-moi le camp. Oh, Gaston, tu as entendu ça? Tu vois ça? Je t'en supplie. Je t'en supplie, au nom de Dieu. Je dis demain, n'est-ce pas? Je t'en supplie. Demain, je vais payer. Demain. Je le promets. 16h. 16h, pile. Je fais comme ça. Je ne vois pas l'argent. Tu verras. Comme c'est quand tu travailles, tu donnes l'argent. Ok, tu bavardes. Hé, madame. Calmez-vous. Comment, qu'en est-il de votre collègue? Je ne l'ai pas vu récemment. Qu'est-ce qu'elle... collègue? Mais votre collègue dans vos affaires de nuit, Hope. Oh, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Regardez, une bonne fille qui est venue dans cette concession, j'ai dit, ah, une bonne fille. Vous l'avez prise et vous l'avez introduite dans cette... C'est toi qui l'as accouchée? Tu me parles? Pourquoi est-ce que ça te concerne? Occupe-toi de ta famille. Si ce n'était que toi, si ce n'était que toi, j'allais porter le ventilateur, j'allais porter tout. D'accord. Je regarde celle-ci. Essaye. Et l'autre. Je te donne ce ventilateur à cause de Hop. Oui. Hop. Mais demain, à 16h, 1, 2, 3, 4 heures du soir, comme ça. Vam. Et je ne vois pas Vam. C'est de notre ventilateur qu'on s'en va. Tu entres chez une femme comme si c'est toi qui payes à son loyer. Toi, une mauvaise fille d'une bonne mère. Je vais te montrer dans cette concession. Moi, le concierge, je vais te montrer dans cette concession. Regarde-la. C'est moi qui vais tuer ce fou dans cette concession, je te le jure. Espèce d'imbécile. Où étais-tu? Je te cherchais. Je n'ai pas arrêté de frapper à ta porte. Ce qu'il faut dire, c'est bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Où es-tu allé? Et avant de dire que tu n'aimes pas ce que j'ai cuisiné, j'ai utilisé mon bon sens parce que je ne t'ai pas vu pour te demander ce que tu voulais manger. Voyons comment le bon sens est devenu bon. Alors, où étais-tu? Dans mon studio. Studio? Tu es musicien? Je peins. Peindre? Oui. Ah. Peindre? Peindre? Et tu es peintre et tu vis dans ce genre de maison? Et tu as ce genre de télé? Tu es peintre et tu vis dans ce genre de quartier? Mon frère, je sais qui tu es. Tu es un arnaqueur. Peintre? Et qui t'a rendu peintre? Et tu me regardes? Tu n'es pas du tout peintre. Ça se voit sur toi, je connais ton genre. Peindre, qu'est-ce que tu sais peindre? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles tous les jours et
C'est ça le genre de téléphone que tu peux avoir. Ne m'insulte pas. J'ai un meilleur téléphone. J'ai un smartphone, il n'y a pas que celui-ci que j'utilise. Et c'est à cause de mon travail que j'utilise celui-ci dans la nuit. J'ai un meilleur téléphone. Ne m'insulte ouais, pas. Ouais, je sais, on travaille au service du public chaque jour. Je ne suis pas un enfant, si tu ne le sais pas, je suis allée à l'école. Je suis allée à l'école, ce sont les circonstances qui changent les gens dans ce pays. Ce pays où on se trouve, mais un jour normal, si tu me vois en route, tu ne pourras pas me parler. J'ai une vision, j'ai un plan, j'aurai mon restaurant, tu ne vois pas que je sais cuisiner? Si je ne savais pas cuisiner, est-ce que tu allais m'appeler pour que je cuisine pour toi? Écoute, ok? Dans ce monde que tu vois, s'il n'y a que la grâce qui nous couvre nous tous. Ils veulent coucher avec tout le monde, tu cherches le travail, ils veulent coucher avec toi. Et tu te places en route, on couche avec toi, au moins ça paye, tu penses être mieux que moi? Tu penses être mieux que moi? En temps normal, tu ne peux pas m'adresser la parole si tu me vois en route. Tu ne m'attends pas. J'ai des plans, j'ai une vision. Et je vais ouvrir mon restaurant en Haute-Chaudière. L'argent que tu me dois, parce que tu me dois de l'argent, tu le sais. Et tu me dois de l'argent, je vais l'ajouter à ce que j'ai déjà épargné. Je vais ouvrir un meilleur restaurant. Arrête, tu ne peux pas m'empêcher d'ouvrir un restaurant. Arrête. Comment hey. Tu ne peux pas? Il m'appartient. Arrête aussi, de crier, tu n'es pas arrête de crier. Arrête-moi. Tu passes ton temps à parler, à m'insulter n'importe comment, tu es normal. Jaden est tout à moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, monsieur? Monsieur. Mais médicament. C'est où? C'est quoi le nom du médicament? Où est le médicament? Dans la penderie. C'est où ça se trouve? Dans la chambre. Ok, d'accord. Oh. Je suis. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi ça? Dans quoi est-ce que je me suis mêlée? Oh mon Dieu. Je t'en supplie. Oh mon Dieu. Je t'en supplie. Hey, je veux de l'eau. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu. Ces œufs ne sont pas aussi épicés. Tu sais que j'aime quand tout est bien épicé. Fais mieux la prochaine fois. Dépose les médicaments. Je les prendrai après mon repas. Quoi? Monsieur William, qu'est-ce qui se passe vraiment? Je ne comprends pas, tu as mangé, tu as pris tes médicaments. Mais tu ne m'as pas expliqué ce que je viens de vivre, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il n'y a rien à dire. Et que veux-tu dire, il n'y a rien à dire? Si c'était moi qu'on avait trouvé avec toi étant couché, je serais en prison. C'est un truc normal, rien n'allait arriver. Ok, chaque fois que ça arrive, je me remets de la situation et je me réveille. Normal, c'est normal pour toi? Bien sûr que attends, c'est attends, normal. Attends. Tu veux dire que ça peut en quoi arriver? Et tu vas juste tomber. Pendant que je suis dans cette maison. Et qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi, s'il te plaît. Dis-le-moi, parce que je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec toi? Tu sais, je commence à être fasciné par le fait que tu sois ici. Je commence à m'habituer à ta compagnie. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant bavardé avec quelqu'un. J'ai vu quelque chose dans ton tiroir. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai vu une photo de toi, une femme et un enfant. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'il y a? Happiness, s'il te plaît, donne-moi ça. Mais laisse-moi me reposer. Je t'en prie, je t'ai dit que quand je vais rentrer, je vais te donner l'argent. Pourquoi tu fais ça? Quand je vais rentrer, je vais te donner l'argent. Pourquoi tu fais ça?
Si je savais que c'est comme ça que tu allais faire, je ne t'aurais pas donné. Je vais te donner ton argent. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas dit que je n'allais pas donner. Laisse-moi rentrer. Donne-moi mon argent. Je n'aime pas ce que tu fais là. Je ne me dispute pas avec toi. Donne-moi mon argent. Ce n'est pas une question de sœur. Souviens-toi que tu es ma sœur. Ce n'est pas une question de sœur. Tu es ma sœur. Quand je vais rentrer, je vais te donner ton argent. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a rien que tu puisses faire là maintenant. Qui feront ça? Je n'aime pas ce que tu fais. Tu veux te battre avec moi? Non, tu ne veux pas ce avec que moi. Tu fais là, Pinès. Je veux mon argent. C'est arrivé là. Quel argent? Je ne veux pas les problèmes, s'il te plaît. C'est arrivé à ce point. C'est arrivé à ce point. C'est pour ça que tu m'arrêtes. Mon argent, Pinès. C'est arrivé à ce point, c'est ça? Remets mon argent. C'est pour ça que tu m'arrêtes. Je connais ton plan. C'est pour ça que tu m'arrêtes. C'est tout ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous troublez la paix de cette belle concession? Hein? De quelle concession est-ce que tu parles? Les boucles. C'est de ça dont tu parles. Est-ce que ton père peut acheter un parpaing? Hein? C'est quoi le problème? Tout ce bruit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Rien? Rien? Il n'y a rien. Je sais déjà qu'il n'y a rien dans ta tête. Hein? Merci beaucoup. Et tu me reboques. S'il te plaît, toi. Voici seulement 2 semaines et tu marches déjà avec cette racaille. Juste 2 semaines. Fais très attention, je vais t'expulser. Tu tiens sur une jambe, juste une jambe, et tu suis déjà ces racailles. Hein? C'est quoi le problème? Je veux l'entendre de toi. J'ai prêté de l'argent à Pinès qui était prévu pour mon livre. Elle a promis de me rembourser, mais elle ne l'a pas fait. Ah, ah. Maintenant, le professeur dit que si on n'achète pas le livre, on ne va pas composer. Toi, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité. Ferme-la. Je vais rembourser l'argent. Ferme-la, mon ami. Tu la fermes. Nya, 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 nya. Tu vas rembourser. C'est comme ça que tu l'as fait pour les autres. Je reviens. Je n'ai pas encore ton temps. De combien est-ce que tu es en train de parler? 5500 naira. Donc, si tu vois 5700 naira maintenant, tu seras contente? Je serai contente qu'elle me donne juste mon argent. Je ne pense pas que tu as compris ma question. Donc, si tu vois 5700 naira maintenant, tu seras contente? Je serai contente qu'elle me donne mon argent, c'est tout ce que je veux. Viens prendre 5700. Viens. D'accord. Hey! Boucle-la, toi! Hey! Monsieur Solo, où est-ce que tu emmènes ma sœur? Reviens ici. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai dit. Ici, c'est les gosses. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le village où tu peux faire n'importe quoi. Tu vois cet homme? Tu vois quelqu'un attacher le pain, tu veux le suivre. Il va te finir. Il va te finir. Je veux juste mon argent. Remets mon argent. Viens, on y va. Je vais te donner cet argent. Allons-y. Monsieur Solo, honte à toi. Ah, donc maintenant, tu peux lui rembourser. Tu veux finir, ma sœur. Tu peux maintenant lui donner l'argent, n'est-ce pas? Regarde, regarde comment tu peux lui donner l'argent. Et cet argent que tu n'as pas encore payé. Je vais lui donner l'argent. Je te donne jusqu'à 16 heures pour que tu payes. 16 heures. Honte à toi. Si je ne vois pas ton argent, je t'expulse. Vous toutes dans cette concession, toutes ces stupides filles, vous croyez que vous pouvez me frustrer ici, moi, le concierge, le plus grand concierge? L'une après l'autre, je vais m'occuper de vous. Idiote, tu m'as fait perdre ce coup maintenant. C'est de la même façon que tu te verras expulsé. 16 heures et que je ne te vois pas. Bande de gens inutiles. La vérité, c'est que j'aime pas parler de mon ex-femme et de mon fils. Ça me blesse de penser à la situation. Je me sens mal. Parce que ça fait 3 ans que je suis divorcé. Et j'ai refusé à mon fils la chance d'avoir une véritable famille sous un toit. Je peux pas donner à mon garçon la joie d'avoir un père sur qui il peut compter sous le même toit. La douleur et les pensées négatives, la source des émotions négatives, déclenchent les migraines qui me conduisent à la crise. L'espoir de se réveiller. Je me relève avec l'espoir. L'espoir. Je suis un homme mourant. Je suis brisé. Et si je suis mourant, j'ai le cancer du poumon. Le cancer? Le cancer tue. J'ai entendu parler de plusieurs personnes qui sont mortes du cancer. Depuis combien de temps tu y as ça? Tu n'as pourtant pas l'air malade, tu as très bonne mine. Eh bien, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Je vis comme ça au jour le jour.
Et je laisse le reste au destin. Ça va aller, il y a encore de l'espoir. Je sais qu'il y a espoir. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Viens avec moi. Ok. Hey. Wow. C'est vraiment wow. Waouh, c'est incroyable. Waouh, waouh. Alors, est-ce que tu as acheté tout ça ou tu les as peints toi-même? J'ai peint tous ces tableaux. Waouh. Cool, donc en fait, tu es un peintre. Ouais, je suis un peintre professionnel. Et je suis aussi un bon peintre en devise étrangère. Comment? L'école des arts de Londres, ma chère. Attends, attends. Tu es un peintre. Et tu as voyagé à l'étranger pour apprendre l'argent. Tes parents t'ont laissé entrer dans l'avion et aller à l'étranger pour apprendre la peinture? Mon père était peintre lui-même. Et je me souviens qu'il faisait tout pour me rendre heureux. Pas étonnant, tu ressembles à un enfant gâté ou autre chose, si je peux dire. Laisse tomber. C'est quoi ça? As-tu entendu parler du mot habileté? Est-ce que ça existe vraiment ou alors? Tu viens de l'inventer. Ça existe. En fait, tout un chacun de nous sommes condamnés à un destin, d'autres à la perte et d'autres au talent artistique. Là, tu parles en gros français. Mais si mes parents m'avaient laissé aller à l'étranger pour étudier, si j'étais chanceuse comme toi, j'allais étudier la danse. Dans le thème danser? Ouais. Alors, c'est quoi, en fait, la danse, pour toi? La danse, c'est un mouvement rythmique du corps à la musique, en suivant un sens, tu sais, genre séquence de pas. Je suis allée à l'école, je suis intelligente. C'est très intelligent, mais aussi la danse va en synchro avec la peinture. Ouais, en fait, la peinture et la danse, dans ce cas, te laisse exprimer tes plus profondes émotions et pensées. La danse te rend heureuse et faire la cuisine te rend heureuse aussi. La peinture, c'est ma vie. Ça me rend tellement heureux. Tu as raison. Tu sais, j'ai une nouvelle inspiration. J'aimerais peindre Une belle femme noire nue. Ouais, une femme noire toute nue. Ouais. Hein? Oui. Vraiment? C'est pour ça que je suis ici. S'il te plaît, te prends pas la tête. Je suis en train de te parler. Une femme qui s'appelle femme africaine. Ouais,
une femme africaine. Un derrière volumineux, de gros seins, des vergetures très épaisses, ouais, et très élancées. Pas toi, ma chère. Pas toi. Allô? Allô, Aladi. Oh oui, c'est... Aladi, attends, je peux... Aladi, attends, attends, tu te souviens de... Allô? Allô, Aladi, Aladi. Allô? Mon Dieu. Pourquoi est-ce que cet homme a encore accroché? Copine, que s'est-il passé? Ce n'est pas ce stupide Aladi. C'est Aladi, Aladi qui a dedans. Ousmane, Aladi Ousmane. Est-ce que tu sais que cet homme m'a promis l'argent il y a très longtemps? Il ne m'a pas donné cet argent. Il ne décroche pas mes appels. Et puis quelqu'un m'a dit qu'il est rentré de là où il était. Est-ce que tu sais que j'appelle cet imbécile depuis le matin? Il ne décroche pas mes appels. Il vient de raccrocher. Il se débarrasse de moi en disant « Je suis une réunion, je suis une réunion. » Tu peux imaginer? Calme-toi, non, allez. C'est la seule chose que tu connais dans cette vie. Calme-toi. Quelque chose comme ça m'arrive et tu me dis de me calmer. Je ne comprends pas. Calme-toi. Quand il aura envie de toi, il va t'appeler. Détends-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Donc, si cet homme n'a pas envie de moi jusqu'à l'année prochaine, nous allons mourir de faim dans cette maison. La sécurité, solo et tous les problèmes que nous avons. Je te parle d'un truc assez sérieux. Il va t'appeler. Je ne comprends pas cette fille. À moins que tu ne sois pas bon en ça. Tu es vraiment une idiote. La famille va te tuer dans cette maison. Arrête de te déranger. Alors, où est ta femme et ton fils? Après le divorce, ma femme est rentrée en Angleterre avec mon garçon. Ouais. Est-ce que tu as l'occasion de voir ton fils ou tu lui rends souvent visite? Eh bien, pas régulièrement. La loi lui a donné le droit de me donner un accès restreint à mon fils. C'est triste. L'histoire de ma vie. Alors, qu'en est-il de, tu sais, ta famille? Ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, ta famille? Tu vois? Eh bien, mon père est mort. Et ma sœur est mariée avec son mari australien et elle habite loin en Australie avec ses enfants. Ma mère, après sa retraite, est allée en Australie pour vivre avec ma sœur. Et je suis le seul ici, au pays. Est-ce qu'ils sont au courant de ton état? Non. Pourquoi? Parce que... je crois que tout le monde est venu dans ce monde tout seul. Et nous allons partir tout seul, alors je ne dérange personne avec mes problèmes. J'ai décidé de rester ici et je suis tranquille. Tu ne crois pas qu'il mérite de le savoir? Je suis sûre qu'ils t'aiment, ils voudront passer du temps avec toi, surtout que c'est ton dernier. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne connaît pas le futur et... il mérite de passer du temps avec toi. C'est mon avis. Est-ce que tu peux me laisser seule, s'il te plaît? Ai-je dit quelque chose de mal? Ce solitaire aime peindre seul dans son studio, s'il te plaît. Je voulais juste te regarder pendant que tu travailles sur ton œuvre. S'il te plaît. Je suis inspiré quand je suis dans mon studio, tout seul, s'il te plaît. Je t'en prie. Et j'aimerais manger du porridge d'igname ce soir. Merci.
Allô, ma copine, comment tu vas? Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi qui devrais te demander ça. Où es-tu? Nous n'avons pas eu d'appel de toi depuis hier. Rien du tout. Je vais bien, je vais bien. Ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai beaucoup de choses à te dire. De quoi tu parles? Je vais tout te raconter quand je vais rentrer. Quand? Lundi. Ok. Pas de soucis. Salut Rita de ma part. Je le ferai. Prends soin de toi. Attends. Monsieur Solo demande l'argent de la sécurité et de l'électricité. À moins-y, Rita et lui allaient bagarrer aujourd'hui. Parce qu'on essayait de lui dire qu'on n'a rien du tout. Non, mais c'est incroyable. Ce gars-là ne peut pas se calmer. Je vais envoyer ce que j'ai. Combien est-ce que c'est? Ta contribution, c'est 7000 naira. Je vais envoyer. Ce gars ne m'a pas encore payé. Je vais envoyer. Ok, oh, j'ai suivi. Prends bien soin de toi, oh. Et rassure-toi qu'on te paye ton argent par jour. Hope, j'ai dit par jour, ne va pas là-bas t'occuper de quelqu'un, oh. C'est toi qui vois. Prends ton argent. Au revoir. Comment tu vas, papa? Tu me manques. Salut, Elena. Oui. Comment vas-tu? S'il te plaît, est-ce que je peux parler à mon fils? Tu sais que tu n'es pas permis de lui parler aujourd'hui. Écoute, je sais qu'aujourd'hui c'est mercredi, d'accord? Mais s'il te plaît, je veux lui parler. S'il te plaît. Essaie de me comprendre cette fois, je t'en prie. Fais-le rapidement, hein? Ne paie pas vraiment du temps. Papa? Et mon garçon, comment vas-tu? Tu me manques, papa. Quand est-ce que tu reviens? Tu me manques aussi. Je te verrai bientôt, fiston. Je te verrai très bientôt. D'accord. Maman m'a acheté une nouvelle voiture. Tu dois la voir. Maman t'a acheté une voiture? C'est tellement gentil de la part de maman. Comment tu vas, papa? Papa va bien. Comme je te l'ai dit, tu manques à papa, ok? Écoute. Mon garçon, écoute. Hélène, je t'en prie, Hélène, s'il te plaît, écoute, s'il te plaît, c'est à peine que je lui ai parlé, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ton repas est servi. Je vais descendre dans quelques minutes. Dépêche-toi. S'il te plaît, n'oublie pas de fermer la porte comme la dernière fois. Je ne vais pas oublier. Allez. Je le sais. Tu sais que nous allons dans un nouvel endroit. Ça, je le sais. Nous allons à un nouvel endroit, ce nouvel hôtel. J'ai entendu dire qu'il y a de gros poissons là-bas.
Dépêche-toi. J'ai entendu. Allons-y. Mais oui, je suis très sérieuse. Parce que même ce nouvel endroit, si tu ne travailles pas deux jours... Les travailleuses! Les travailleuses internationales! À vous voir à l'étau aujourd'hui, vous partez vite. Prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne chance. Tu ne vois pas qu'on part tôt. Oui, nous allons juste nous arrêter de l'autre côté pour prendre ta sœur. Et elle va nous suivre pour cette nuit. Attends, tu as dit quoi? Merci. Répète ce que tu as dit pour que j'entende. T'as dit quoi? J'ai dit que nous sommes sortis tôt ce matin parce que nous allons passer comme ça, prendre ta sœur pour qu'elle aille avec nous. Tu as dépassé les limites. Ce que tu viens de dire là. Hein, ce que tu viens juste de dire là, tu as dépassé les bornes. Et je vais maintenant te faire comprendre que dans cette concession, c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis le tout-puissant dans cette concession. Parce que le bailleur n'est pas là, c'est moi qui suis le bailleur. Si tu veux utiliser ça pour te laver, fais-le. Mais cet argent, je devais le prendre demain. Je le prends maintenant, je te donne une leçon. Il n'y a que nous dans cette concession. Il n'y a que vous. Il n'y a que toi qui me dérange dans cette concession. Toi, je vais devoir appeler ma famille dans cette affaire. Tu me donnes cet argent. Viens passer. Je n'ai pas aussi une famille. Ah, si tu ne donnes pas cet argent, tu verras. N'as-tu pas dit tout-même pour cet argent? Je le veux maintenant. Tu viens nous chercher. C'est maintenant que je le veux. Eh oui. C'est maintenant que je le veux. Je le veux tout de suite. Vérifier quel téléphone. Tu m'as acheté un téléphone. Ferme-le à toi. Tu as reçu une notification. Tu la fermes. Tu as dit quoi? J'ai envoyé ton argent. Regarde ton téléphone. Regardez celle-ci. Tu dis que tu as envoyé quoi? Regarde ton téléphone. Je ne pense pas qu'il connaisse une notification. Celui-ci n'a jamais reçu de l'argent auparavant. Regarde-le. Laisse-le qu'il vérifie son téléphone. Attendez. Je ne fais pas confiance à ça. Je ne vais même pas demander si. J'espère que ce dépôt que tu as fait dans mon compte n'est pas une fausse déposition. Mais attends. Hein? Tu vois l'argent et tu te plains. Ça, c'est parce que je suis venu il y a quelques heures et tu m'as dit que tu n'avais pas d'argent. Et tu étais dans cette maison? Ou est-ce que vous êtes déjà des esprits? Les esprits sont vos clients. Regarde-toi bien. Tu sais à quoi tu ressembles? Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Tu n'es pas marié. Tu es juste une femme spirituelle. C'est un mari spirituel que tu... En fait, tu ne verras aucun esprit cette nuit. Cette nuit, même les esprits, tous les esprits que tu verras aujourd'hui ne te donneront rien. Tu n'auras rien. Tous les esprits que tu verras. Je le suis devant Dieu, hein. C'est moi qui vais t'anéantir dans cette concession. C'est moi qui vais le faire. Je ne vais pas te laisser tranquille dans cette concession. Je te le dis. C'est moi qui vais te finir. Je vais te finir dans cette concession. Selon vous, vous vous êtes échappé, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce bruit il y a 10 minutes? Ce sont les personnels de la communauté qui sont venus me voir, moi le concierge. Ils ont dit qu'ils ont apporté un nouveau mode de paiement. Ça va changer, cet argent va doubler. Et toi, je viendrai toquer à ta porte tous les 2 jours. Après 2 jours, je viendrai toquer. Je serai là. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui me donne des problèmes. Toi, mauvaise fille d'une bonne mère. Prends ton argent et va-t'en. Et toi, porte ton corps et pars, travailleuse. Travailleuse. S'il te plaît, ne t'endors pas vite. C'est ton frère qui va apporter ta part. C'est ton frère qui va apporter ta part. Elle va apporter ta part. Monsieur Solo, tranquille. Hé, madame. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas, tu m'as dit que je n'avais pas l'argent? Où as-tu pris l'argent pour donner à cet imbécile? Oh, c'est Hope qui m'a envoyé cet argent. Allons-y. Mais attends. Hope, t'as envoyé de l'argent derrière mon dos. Et toi aussi, tu ne m'as pas dit. Moi, je te le dis en tant que qui? En tant que ma mère ou quoi? Pardon, allons où nous allons? Hope, t'as envoyé de l'argent. Pas de problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai appelé et j'ai frappé à ta porte. Et qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de te parler. De toute façon, si tu n'es pas d'humeur, je vais manger dans ma chambre parce que je ne peux pas supporter ça. Tu ne vas pas manger dans ta chambre. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? J'ai dit que tu ne vas pas manger dans ta chambre. J'ai payé pour tes services. Et me garder compagnie. Et quand je dis tu ne vas pas manger dans ta chambre, tu ne manges pas dans ta chambre. On mange sur la même table. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu fais ici? Non,
mais c'est quoi ce comportement? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais sérieux, t'es pas un animal quand même? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vraiment, pourquoi est-ce que tu dors dans la cuisine? Pourquoi? Est-ce que tu peux... Mais d'où viens-tu? Où est-ce que t'as grandi? C'est quoi ça? Est-ce que tu peux te calmer? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais pas me calmer. Monsieur, calme-toi. Je veux savoir pourquoi tu dors dans la cuisine. Et pourquoi est-ce que tu as porté la couverture et si peur dormir sur le sol? C'est mon endroit de bonheur. Comment ça, cet endroit est ton endroit de bonheur? Qu'est-ce que tu racontes? Je me sens plus à l'aise ici, je ne peux pas dormir dans la chambre. J'ai perdu mes parents quand j'étais plus jeune. Alors, je suis allée vivre avec ma tante à Djegleba. Il y avait du monde dans la maison et la maison était très pleine. Son mari me harcelait et il a fait de ma vie un enfer. Il n'y avait jamais la paix dans cette maison. Prends ça et dégage d'ici! N'importe quoi, dégage! Regarde-toi, grosse vache! Arrête de lui parler comme ça, arrête de hurler sur elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais c'est quoi cette bêtise? C'est que j'ai de petits chats, elle me donne de l'eau sale pour boire. Oh, elle veut me tuer comme elle a tué ses parents, n'est-ce pas? Elle ne peut pas me tuer, jamais de la vie! Je l'ai bu, j'ai bu ce qu'il y avait dans la bouteille, elle n'est pas sale. Cette eau est sale, elle ne peut pas me tuer! Elle ne peut pas me tuer! Elle n'a pas les plans de te tuer! Vas-y doucement avec cet enfant, ce n'est qu'une petite fille. Dégage de mon chemin, laisse-moi passer. Ce que ses parents ont fait. Et alors? Et alors? Et alors quoi? Ses parents t'ont aidé. Tu ne dois pas la traiter de cette façon. Elle doit partir de cette maison. Elle ne va pas sortir de cette maison. Elle doit partir de cette maison, qu'elle le veuille ou pas. Et elle ne peut pas me tuer. Tout le temps, elle essaie de... Tu as menti. C'est toi qui la gâtes de toute façon. Tu ne dois pas la traiter de cette façon. C'est très mal. Non, elle doit sortir de cette maison, qu'elle le veuille ou pas. Simplement à cause de l'eau. Tu hurles et tu l'insultes n'importe comment. Je vais continuer à hurler jusqu'à ce qu'elle comprenne. C'est très mal, bébé. Ce n'est pas juste. Et tous les jours, il y avait des disputes et des bagarres. Et tout ça à cause de moi. J'ai trouvé mon coin de bonheur dans la cuisine. Dans la cuisine, j'ai trouvé la paix. Il y avait tellement de moustiques là-bas. Et tout ce que je pouvais faire, c'était fermer les yeux et dormir. Grâce à la paix d'esprit que j'ai retrouvée dans la cuisine, j'ai été sauvée pendant toute la période où j'étais avec eux. Une chose que ma tante ne savait pas, c'était que son mari me harcelait. Il a menacé de me tuer si je le disais à quelqu'un. Je me suis enfuie de la maison. Et la rue est devenue mon foyer. Wow. Tu as traversé beaucoup de choses. Tellement touchant. Vraiment touchant. Eh bien, cette nuit, on va dormir dans la même chambre.
J'aurais mangé des spaghettis. Tu es un homme très bizarre. Tu connais la nature de mon travail. Tu m'as amené chez toi, mais tu ne me touches pas. Maintenant, nous sommes dans la même chambre et nous dormons sur deux lits différents. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu une chambre avec deux lits chez toi? Eh bien, c'est la chambre de mon fils. Mon fils était né jumeau. Son frère jumeau est mort à la naissance. Alors tu vois que deux lits dans cette chambre me rappellent aussi de mon garçon mort. Ça me garde en connexion avec lui. Désolée d'entendre cela. Retournons à ton histoire. Tes voisins, n'as-tu pas trouvé un avec qui tu étais proche pour lui parler de ton oncle qui te harcelait? J'en ai parlé à la fille de l'une de mes voisines et elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit que mon oncle l'avait harcelé, l'avait menacé de la tuer si elle le disait à quelqu'un. J'ai trouvé le courage de parler, de le dire à ma tante. Tu vas croire que ma tante m'a défendue. Au lieu de ça, elle m'a battue. Elle m'a battue et m'a accusée de mentir contre son mari, de vouloir briser son foyer et détruire sa famille. Je ne comprends vraiment pas ce que les gens voient chez les petites filles pour les harceler. Qu'est-ce qui les attire sexuellement? Quoi? Tu connais la véritable raison pour laquelle je t'ai amené dans cette chambre? Tu vas enfin coucher avec moi? Oh non, 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 non. Non. Quoi? Non. Comme toi. J'ai aussi eu mes expériences. Oh. Je fais des cauchemars. Ma femme, tu tiens mon fils. Et je ne peux rien faire par rapport à ça. Alors je pars dans mon endroit de bonheur. Dans mon studio pour dormir. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir ici. Des gens avec des cauchemars qui doivent affronter leur peur. Est-ce que tu as pris tes médicaments? Non. S'il te plaît, va les prendre, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de drame cette nuit. Où est-ce que tu veux que j'aille les chercher? Non, 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 non. J'irai bien.
En réalité, je dois t'avouer que je suis surpris. Pourquoi ? Tu sais manger avec une fourchette et un couteau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma prochaine question. Quels sont tes objectifs pour le futur ? Je viens de terminer une école de cuisine, alors je veux ouvrir mon propre restaurant. Quel âge as-tu ? Je suis plus jeune que toi. Quel âge as-tu ? Je suis assez vieux pour avoir des rapports. Assez vieux pour avoir des rapports. Burke. Comment est-ce que ton mariage s'est effondré ? Pourquoi tu consommes la drogue ? Je ne consomme pas de la drogue. Bien sûr que tu consommes de la drogue. Non, je te dis, je ressemble à une personne qui le fait. Bien que tu ne bois pas, tu consommes sans doute de la drogue. Monsieur William, pour ton information, je ne consomme pas de la drogue. Mon père est mort parce qu'il était saoul. Et un camion lui est passé dessus. Et ma mère... Qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? Dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? Elle est morte d'une overdose. Alors je ne consomme ni la drogue ni l'alcool. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Tu vas ? Oui. Chut ! Non, tu bouges pas. Attends, je vais voir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne se passe pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? De qui est-ce que tu te caches ? Qu'est-ce que tu veux dire ? De qui est-ce que je me cache ? Et puis d'ailleurs, c'est quoi ton problème ? Tu étais sur le point d'aller ouvrir la porte. Ton ami frappait à la porte. Comment est-ce que tu sais que c'est mon ami ? Comment tu le sais ? T'es une magicienne ? J'entends comment quelqu'un frappe à la porte. Bien sûr, les étrangers peuvent. Je peux même savoir pourquoi est-ce que je t'explique tout ça ? T'es habitué à être exposé au public, tu sais pas ce que tu veux dire intimité, c'est ça ? Oui, tu fais une affaire publique, tu te vois tout le monde et du coup tout le monde peut venir. C'est quoi ton problème ? Au juste, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu penses être meilleur que tout le monde? Tu penses tout connaître? Regarde-moi celui-ci. Écoute, j'ai été avec plusieurs personnes dans cette vie. Des grands hommes, gros et petits, mais aucun d'eux n'était aussi condescendant que toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pour qui tu te prends? J'en ai terminé. Hope, tu vois ta vie? Et tu es une prostituée. On te traite de prostituée. Ah, tu rends tes services au public. Je rends mes services au public. Hope, tu es une prostituée. Mais oui, tu es une prostituée.
Tu as décidé d'être une prostituée. Tu es une prostituée de toutes les choses. Une prostituée? Une prostituée? Tu n'es qu'une prostituée. Tu n'es qu'une prostituée. Monsieur le concierge, tu as dit que tu allais traiter cette eau. Quand est-ce que tu vas la traiter? Toi, le petit perroquet, c'est toi qui as besoin de traitement. C'est toi qu'il faut traiter et pas cette eau. Je te parle d'une chose très sérieuse. Et toi, tu es là, tu recommences avec les problèmes. Va te faire soigner. Viens traiter cette eau. Vu la personne que tu es, c'est toi qui dois... Regarde, le travail que vous faites, vous avez besoin de traitement. Le traitement vous appelle toutes les yeux. Ça vous appelle. C'est pour votre bien, votre propre bien. Répondez à l'appel d'un traitement. Regardez-le. Répondez, il vous appelle. Répondez. Pour votre bien. Il est là, il chiale comme une femme. N'importe quoi. Allez, s'il te plaît, pardon, va te brosser les dents. Il raconte n'importe quoi. C'est même quoi tous ces problèmes? Hein? Vu que Hope n'est pas rentrée, j'espère qu'elle va bien, peu importe où elle est. Calme-toi. Que la police ne vienne pas nous chercher pour des interrogations. Rita, j'ai dit calme-toi. Je dois l'appeler pour qu'elle nous envoie l'adresse d'où elle se trouve. Je l'espère vraiment. Parce que nous, on essayait de l'aider en l'amenant ici. Calme-toi. Que cette aide ne nous coûte pas nos efforts. Elle va revenir. Calme-toi. Calme-toi. Je vais rester tranquille. Si je parle, on va me voir comme celle qui a un problème. L'obu et mon ami a disparu. Et c'est moi qui aime les problèmes. Je n'aime pas ces bêtises. Juste donne mon argent que je parte. Donne mon argent que je parte. Je veux mon argent, s'il te plaît. Et où crois-tu aller? J'en semble une enfant pour toi. Mais donne mon argent que je rentre chez moi. Avec mes babouches? Ce sont des babouches, ça? Dis-moi, ces bêtises sont des babouches? Tes égaux portent des babouches de marche, me donnent des bêtises et tu appelles ça babouche. S'il te plaît, pardon, donne mon argent. Et où est-ce que tu veux aller déjà? Depuis que je suis arrivée ici, tu me traites de tous les noms. Pourquoi je te suis... Pourquoi je te parle même français? Depuis que je suis arrivée ici, tu me traites de tous les noms, tu me traites de prostituée. Et fille facile, illettrée, tous ces noms-là. Tu y es fou, tu as perdu la tête, tu n'as rien à me dire. C'est la raison pour laquelle tu vas mourir tout seul. Pardon, donne mon argent que je m'en aille d'ici. Es-tu vraiment fière de toi? Avec qui est-ce que tu parles de fierté? Qui est-ce que la fierté a aidé? Qui est-ce que la fierté a aidé? Dis-moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Papa? Il est tout à moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Dieudonne, parle à papa! Dieudonne, parle à papa! Parle à papa! Dieudonne! 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 Oh mec, tu es plus grand que tout ça! Tu es plus grand que tout ça, donne-moi mon argent! Lève-toi, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent! Qu'est-ce qui t'arrive? Donne mon argent! Et qui joue avec celui-ci? Pardon, lève-toi de là! Regarde-moi celui-ci! Regarde-le! S'il te plaît, mec, tu es plus grand que ça. Juste donne mon argent que je m'en aille. Tu penses que je m'amuse avec toi? Tu penses que je m'amuse avec toi? J'ai l'air de m'amuser avec toi. Lève-toi de là, tu penses que nous sommes dans un film ici? Monsieur. Monsieur, je n'aime pas ce que tu fais. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Donne mon argent. Monsieur. Monsieur, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Monsieur, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Hé, hey, mon Dieu. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Ça, quoi cette histoire, mon Dieu? C'est quel genre de personne ça? C'est quel genre de personne ça? C'est encore quelle histoire, ça c'est quelle malchance, ça c'est quelle malchance.
Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, je vous en qu'est-ce prie. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, monsieur William, qui s'est évanoui, ne se lève pas. S'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous en prie. Il est couché au sol, s'il vous plaît, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie, dépêchez-vous. S'il vous plaît, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mais que s'est-il passé? Il est là, venez, allez. S'il vous plaît, venez. Il est là. Il est là. Ah. On était juste en train de... Qu'est-ce qui s'est passé? Et qui es-tu? Tu sais où sont les clés de sa voiture? Allez, cherche-les. Mon Dieu. William. D'accord, je vais chercher. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Allez, William. Dépêche-toi avec les clés de la voiture. Viens là. Allons-y. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez cette voiture! Arrêtez cette voiture! Arrêtez cette voiture! Je l'ai dit, arrêtez là! Arrêtez cette voiture! Maintenant! Arrête là! Arrête! Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu conduis ma voiture? Pourquoi tu conduis ma voiture? Pourquoi tu conduis... Donne-moi mes clés! Qu'est-ce qui ne va pas sur toi? Pourquoi tu es aussi impoli et irrespectueux? Pourquoi es-tu aussi dur? Pourquoi es-tu aussi dur? Il est déjà. Entre dans cette voiture! Pour l'amour du ciel, il est déjà. Entre dans cette voiture! Pourquoi est-ce que tu l'as appelé? Tu es incroyable! Pourquoi est-ce que tu l'as appelé? Je pensais que tu étais mort pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais. Pour quelle raison est-ce que tu l'as appelé? Est-ce que tu as un problème? Je veux savoir pourquoi tu l'as appelé! Vas-y, réponds à ma question! Es-tu vraiment en train de me crier dessus? Pour l'amour du ciel, j'ai pensé, je ne savais pas ce qui t'arrivait. À quoi est-ce que tu croyais? Tu n'as pas le droit d'être aussi respectueux, sérieusement. Pourquoi tu l'as appelé? Pourquoi est-ce que tu l'as appelé? Réponds-moi. Je veux savoir pourquoi tu es allé appeler mon voisin. Je veux que tu me donnes une explication. Je ne peux pas me ramasser, me ramener chez toi et commencer à me traiter comme... Tu vas retirer tes pieds de mes babouches, s'il te plaît. Je veux savoir pourquoi tu es allé appeler mon voisin. Pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas appelé? Je pensais que tu étais mort pour l'amour de Dieu. Tu croyais que j'étais en train de mourir? Je pensais que tu étais mort. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu étais là. Je pensais que tu étais mort. Tu veux te dire pas j'étais mort? C'est quoi cette phrase? Je pensais que tu étais mort. Tu étais couché par terre. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Tu devrais être intelligente. Tu aurais dû faire ce qui était juste. T'es tellement limité. Tu t'es pas chez les gens. Tu es ingrat. Tu es tellement ingrat. Ne me dis plus jamais ça. Ne me le dis plus jamais. Tu aurais dû faire ce qui était juste. Ok, tu aurais dû faire ce qui était juste. Je me réveille toujours après que ces crises arrivent. Tu aurais dû aller prendre mes médicaments. Tu aurais dû aller prendre mes médicaments. Voilà ce que tu aurais dû faire. Au lieu d'aller appeler mon voisin, tu appelles quelqu'un qui vit dans mon quartier. Pourquoi? Tu sais quoi, t'en as trop fait? Attends simplement ici, attends. T'en as trop fait, pourquoi est-ce que tu pars appeler quelqu'un qui vit dans mon quartier? Pourquoi? T'es vraiment pas intelligente. Je ne suis pas intelligente, pourquoi? N'importe quoi. Il faut que j'appelle. J'aurais dû laisser qu'il meure, n'importe quoi. Allô? Ma puce, comment tu vas? Quoi de neuf? Je vois que tu t'amuses beaucoup dans cette maison. Je crois qu'on doit venir te rejoindre là-bas. Sois la gardienne de ta sœur, non? Hein? Meuf, laisse tomber. Je suis en route, je suis en train d'arriver. Pourquoi? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose de terrible t'est arrivé? T'a-t-il frappé? Ou ne t'a-t-il pas payé? Pardon, donne-nous l'adresse qu'on arrive là-bas maintenant. Ne t'en fais pas, je vais te dire, j'arrive, je suis en route. Je vais te dire ce qui s'est passé, je suis fatiguée. N'importe quoi. S'il te plaît, donne-nous son adresse. Comme ça, Rita et moi allons venir s'aimer la pagaille là-bas tout de suite. Envoie l'adresse. Ah bah.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à repos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'elle a une grosse somme d'argent. Quel genre? Je pense que quelque chose ne va pas. Attends. Rien ne doit mal aller. Tu m'entends? Rien ne doit mal aller. Parce que moi, dès que je vais la voir ici, je vais sortir la main de ma poche. Je n'accepte pas n'importe quoi. Rita, quelque chose ne va pas. Tu veux prendre l'argent du client d'une autre personne? Est-ce que tu t'écoutes? En quoi est-ce que cela te concerne? C'est quoi ce genre de comportement? Hey, j'apprends à quelqu'un le travail. Je veux prendre ma part. Et tu te mets à hurler. Combien de fois m'as-tu donné ma part de tes clients? Est-ce que tu t'entends? Tu m'as appris le travail? Alors j'étais quelque chose. Je te dis que quelque chose ne va pas et tu dis que tu veux collecter ta part. Tout va bien. Normal? Je connais O. Ne te comporte je connais pas comme ça. Op. Ne te je comporte pas op. Comme ça. Ça n'a pas de Tout sens. Va ne te comporte bien. Pas comme ça. Tu te déranges pour rien. Elle est où, cette stupide fille? Hop! 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 Vraiment? Hop! Et où est-ce qu'il est allé? Vraiment? Sérieux? Non mais sérieux? Écoute, je vais pas te faire le plaisir de te rattraper dans ma propriété, ok? Je veux ton numéro de compte pour te faire le transfert d'argent tout de suite. Monsieur, je n'ai pas besoin de ton argent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Va au diable avec ton argent. Au diable? Ok. Pas de soucis. Tu ne sais pas. Qui es-tu? La daronne, c'est moi. Qui es-tu? C'est moi, Solo. Qui est Solo? C'est Solo. Quel genre de Solo? C'est Solo. Je ne te connais pas. Tu ne peux pas épouser ma fille. Tu veux épouser tu ta fille? Tu ne peux pas épouser ma fille. Je vais l'épouser. Le premier Solo que je connais, il est en prison. Le deuxième, il est enterré sous terre. Je ne veux pas te connaître. Je sais déjà qui tu es. Maman, je t'en supplie. De quel Solo j'aime tu parles? Enfant. Ne reviens je veux plus l'épouser. Chez moi. Je mon enfant vraiment. Ne peut pas t'épouser. Je vais l'épouser. Ne reviens plus chez moi. J'aime ta fille. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Espèce de con. Sale con. J'aime ta fille. Pauvre, je veux l'épouser. Je l'aime vraiment. Salva. Je veux l'épouser. Ne reviens je plus l'aime. Chez moi. Je ne reviens plus. Qu'on se revoit encore chez moi. Tu veux épouser ma fille, espèce de sale idiot. En quoi est-ce que cette histoire te concerne? Je préférerais qu'on me tue que de t'épouser. Je ne peux pas t'épouser. C'est la jalousie qui te dérange. C'est dans cette position que tu sais jacasser. Je ne veux pas t'épouser. La jalousie te dérange. La jalousie te range. La police va bientôt venir te chercher. Parce que c'est toi, toi là. Attends, dans trois ans, je viendrai toquer à ta porte. Dans trois ans, je viendrai toquer à ta porte. Tu verras. Un homme très idiot. Attends voir ce que je te réserve. Voilà toi. C'est quoi ces bêtises que tu me racontais l'autre jour? Donc, tu es allé. Tanti, ne me verse pas de l'eau, s'il te plaît, ne me verse pas de l'eau. Ne te fâche pas, ne Donc, te fâche tu es allé chez un homme pendant combien de jours? Et puis, tu es rentré la main vide. C'est quoi cette histoire à dormir debout? Hein? Tu n'as rien appris de moi? Rita, pardon, s'il pardon, te pardon. Plaît, tu aurais pu au moins prendre une partie du paiement avant d'accepter un accord aussi stupide. Tu n'es pas intelligente, mais même peu d'intelligence, tu n'en as pas. Rita, Qu'est-ce nous sommes dehors et les voisins t'entendent. Calme-toi. En quoi est-ce que les voisins me concernent? Tu n'es pas une prostituée? J'ai une prostituée et elle aussi. Monsieur, nous sommes toutes des prostituées. Je suis une prostituée. Nous vendons nos corps. En quoi est-ce que cela me concerne? Nous sommes des prostituées. Et en ce qui concerne cette affaire, le temps compte. Ok, demande-lui. Combien tu es allé dans cette maison? Avec combien tu es rentré? Hein? Combien? Mais calme-toi, Rita. Calme-toi. Je ne vous en veux pas. Je ne blâme aucune de vous deux. C'est parce que vous voyez de la nourriture gratuite, de la lumière, où vous allez dormir, raison pour laquelle vous faites cette bêtise. Je vais aller baiser les hommes et venir vous donner de l'argent. N'importe quoi. Vous allez voir, le loyer a déjà expiré. La sécurité, vous avez entendu comment cet idiot m'insultait. Vous êtes placé là, je vais aller me battre et venir vous nourrir. Vous allez me retrouver dans la maison. Vous allez venir me retrouver. Si je parle maintenant, c'est moi qui aime trop les ennuis. Mais c'est quoi cette bêtise? Je vais baiser vous donner l'argent. I don't want you to leave. Stay with me.
just for tonight. Stay away from me. I don't want you back in the streets. Stay away from me. It was just for tonight. Stay away from me. All I need is your love, love and affection. Even just for tonight, stay with me. C'est ce que tu dis maintenant, mais quand tu vas arriver là-bas, tu vas commencer à... Ah, ah. Madame, tu étais sérieuse par rapport à... C'est qui était sérieuse par rapport à ce qu'elle disait, oh. Hope, tu veux dire que tu ne vas pas travailler avec nous cette nuit? Je ne suis pas prête. Regarde, ma chère, tu ferais mieux d'être prête. Le loyer est expiré et ce n'est pas avec mes dents qu'on va payer. Je ne me sens pas bien. Alors rétablis-toi très vite, parce que les affaires doivent avancer. À moins qu'il y ait quelque chose que tu ne nous dis pas. Hein, Hope? Rita, allons-y, ça va aller. Je suis sûre qu'elle ira mieux demain. Allons-y. Tu pars chez un homme et quand tu rentres, tu te comportes comme une chèvre. Life is not easy, but you are the reason. I keep holding on, cause baby, it's worth it. Your love is like a string of hope. I'm in love with you, my darling, and my hope. You the hope I can't deny, the story of my life. Give me love and I will stay by your side. Fight for me and I will give you my life. One day at a time, I promise love be around. It's not easy, but you are the reason. I keep holding on, cause baby it's worth it. Your love is like a string of hope. I'm in love with you, my darling and my girl. You the hope I can't deny, the story of my life. Give me love and I will stay by your side. Hey, ouais. Dami, mon pote. Mon frère. Franchement, mec, franchement. Je suis désolé. En fait, l'autre jour, beaucoup de choses sont arrivées. En fait, j'ai pas constaté que tu es rentré du pays. Je suis vraiment désolé, mon pote. Tout ce que je voulais, c'est sortir de cet endroit. C'est bon, allez. Je comprends. En fait, quand je suis rentré au pays, j'ai essayé de te joindre. J'ai appelé ton numéro 2 ou 3 fois. Plusieurs fois, en fait. Et ce n'était pas joignable. Eh bien, je... Je croyais que tu as voyagé hors du pays. Non. La vérité, c'est que beaucoup de choses se sont passées. Et pour quelques raisons, j'ai juste décidé d'être joignable uniquement sur WhatsApp. Oh, d'accord. Ouais. Et aussi, je sais que tu ne bloques pas avec ton ventre. Alors, laisse-moi t'offrir quelque chose. Je vais t'offrir quelque chose de consistant. Non, t'inquiète, j'ai quelque chose dans le frigo. Je te l'apporte, d'accord? Je vais bien. T'en es sûr? Ne t'inquiète pas, mon pote. D'accord, je t'offre un verre, alors. Tu vas boire quelque chose. Je sais que t'adores le vin rouge, alors. D'accord. La porte. Attends. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ta cuisinière? Quelle cuisinière? La fille qui m'a alerté l'autre jour.
Oh. Elle t'a dit qu'elle est ma cuisinière? Ouais. Eh bien, elle ne cuisine plus ici. Elle ne cuisine plus ici? Bien que sa cuisine me manque. Sa cuisine te manque? Et qu'en est-il de ta cuisinière? C'est encore quoi son nom déjà? Kemi? Ouais, Kemi. Elle ne cuisine plus pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Kemi est morte. Quoi? Ouais. Elle est morte il y a de cela 3 mois. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait un cancer du foie. Et on ne le savait pas, on l'a découvert très tard. Et il n'y avait rien que nous puissions faire pour elle. Elle est morte? Ouais. Oh mon Dieu. Camille, elle faisait les meilleurs barbecues, tu te souviens? Tu l'amenais dans nos soirées de garçons. Et elle était toujours souriante, elle souriait tout le temps. Elle nous manque à nous tous. C'est vraiment fou. Oh mon Dieu. Et qu'en est-il de cette charmante fille qui jouait partout? Elle touchait à tous les instruments. Oh mon Dieu, elle n'arrêtait pas de nous divertir. Je me souviens. C'est trop souvent déjà. Non. Charlie. Oh, je suis désolé. Charlie, comment elle va? Elle est toute grande maintenant. Elle est au collège. Tu sais. Oh, elle est au collège? Ouais. Quoi? Cette petite fille? C'est une grande fille à présent. En fait, si tu la traites de petite fille, tu auras des ennuis. Attends, t'es sérieux? Je t'assure. Oh mon Dieu, mais que le temps passe. Ouais, le temps file beaucoup. Tu vois, on dirait que c'était hier que nous étions au collège. Et au fond, tu n'as pas changé. Ta façon de réfléchir et ta façon de voir les autres choses et tout le reste. Je sais, rien n'a changé. C'est fou. Ouais, je suis le même. Comment est-ce que je vais changer? J'ai entendu ce qui s'est passé entre toi et Elena. J'espère que ton fils le gère très bien. J'ai rencontré Bola en Angleterre. Et tu lui manques toujours. J'ignore ce qui est arrivé entre vous deux parce qu'en fin de compte, elle est toujours éperdument amoureuse de toi. Elle ne faisait que parler de toi et me dire comment c'était génial. Tu ne parles à papa. Il est mon fils. Parle à papa. Mon fils. Fiston, parle à papa. D'être avec toi, genre, elle est éperdument et quand je dis éperdument... Tout à moi. Tu me manques, papa. Elle est tellement amoureuse de toi et elle a encore tes photos chez elle. William? Hé! William! Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus! William! Hé! Réveille-toi, William! William! Réveille-toi! Pas maintenant, William! Allez, lève-toi! S'il te plaît, William, relève-toi. Oh, mon Dieu. Allez, William. Monsieur William, comment allez-vous? Docteur, je ne fais que compter mes jours. Comme je vous ai dit, monsieur William, vous êtes enregistré pour une chimiothérapie demain. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne, monsieur William. Vous devez nous aider pour que nous puissions vous aider. Docteur, je suis un homme mourant. Monsieur William, vous devez rester positif. Je veux que vous soyez positif. Les miracles arrivent toujours.
Arrêtez de me manipuler, docteur. Tout espoir n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Espoir? Oui, de l'espoir. Je reviendrai vous voir plus tard. Elena, merci. Je ne savais pas que tu allais venir. Merci. Tu es mon ex-mari et pas mon ennemi. Et aussi, je ne peux pas refuser à un homme mourant son dernier souhait de passer ses derniers jours avec son enfant. Merci. Tu ne dois pas me remercier. Je ne fais que ce qui est juste. Et j'espère que tu fais de même également. Je veux dire, avec tes avocats, je suis sûre que tu ne veux pas que Jaden souffre, hein, n'est-ce pas? Jaden? Oui? Papa? La raison pour laquelle je t'ai appelé... je voulais te voir... C'est parce que... Papa va te dire... Papa va te dire que peu importe la situation, tu dois être fort. Peu importe ce qui arrive, sois fort. Pour toi-même et pour ta maman. Ok? D'accord, papa. Il a besoin d'argent pour cela. Assez d'argent. Et j'espère que toutes tes propriétés sont déjà en son nom. Hein? Parce que je ne veux du tout pas de surprise. Je ne parle même pas de moi ici parce que je sais à quel point tu me détestes. Je fais juste ça pour mon fils. Hein? Parce que je ne veux pas qu'il souffre. Et je suis sûre que toi aussi. Jaden, peu importe ce qui arrive. Sache que papa t'aime. Il t'aime. Oui, je t'aime aussi. Bien. Espérons juste que j'aurai plus de temps pour te montrer cela. Et tu dois être fort, mon garçon. D'accord, papa. Bon garçon. Bon garçon. Qui est-elle? Oh, elle est l'une des... de tes petites amies? Pardon, ne me regarde pas comme ça. Je t'ai... Hope. Elle, c'est Hope. Elle s'est occupée de moi. Comment as-tu découvert cet endroit? Dami m'a tout raconté. Dami, il a ton numéro? Bon diable, avec ton argent! Ouais, salut! Salut. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas d'humeur en ce moment. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé. Et cet homme est vraiment malade, tu dois veiller sur lui. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec lui. C'était vraiment perturbant, mais je ferai juste cela, ouais. Ok? Et cette chose qui venait d'arriver, c'est arrivé avant à la maison. Il s'est évanoui, il s'est réveillé, donc je ne sais vraiment pas. Alors... C'est bon, je veille sur lui. Ok, je vais veiller sur lui de temps en temps. Il me faut ton numéro, mais je n'ai pas mon téléphone sur moi. Ma maison est juste là-bas. Est-ce qu'on peut y aller pour que tu me donnes ton numéro? S'il te plaît, ok?
D'accord. D'accord. C'était vraiment perturbant. Je croyais que c'était une blague ou autre chose. J'étais apporté à manger. Tu lui as apporté à manger? Attends, avec combien de ces filles est-ce que tu couches? J'espère que le jour de ton enterrement, je ne vais pas voir différents visages qui prétendent avoir des enfants de toi. Je ne vais pas l'accepter. Laisse-moi te le dire. Mon fils ici reste le premier fils. Et il va hériter de tous tes biens. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on t'apporte à manger. Je lui ai apporté à manger. Je crois que je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, non, va-t'en. Non. Elena. Je suis un homme mourant, s'il te plaît. Au moins, laisse-moi. Si je dois partir, laisse-moi partir en paix. Je t'en prie. J'aimerais avoir des souvenirs. Des souvenirs que je vais garder. S'il te plaît. J'aimerais avoir une photo de moi-même et mon fils. Et moi aussi. Prends, tu vas nous filmer. Prends mon cœur. Tiens-toi bien. Ne souris pas. Regarde la caméra, mais ne souris pas. Allez, allez, filme-nous. Que le visage de mon fils se voit haut, s'il te plaît. Hope, s'il te plaît. Je veux que tu sois aussi dans la photo. Mon fils, viens. Vous pouvez prendre vos photos, mais pas avec mon fils. Tu peux aller te filmer avec ton téléphone. Tu en as un, n'est-ce pas? Mais va te filmer avec lui. Hein? Et j'espère que je vais te revoir demain. Hein? Je l'espère. Et s'il te plaît, n'oublie pas, ok? Fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste, oh. Fais ce qui est juste, oh. Mon fils ne souffrira pas. Il ne peut même pas souffrir. N'oublie pas, fais ce qui est juste. Life is not easy, but you are the reason. I keep holding on, cause baby it's worth it. Your love is like a string of hope. I'm in love with you, my darling and my hope. You're the hope I can't deny. The story of my life. Give me love and I will stay by your side. Fight for me and I will give you my life. One day at a time, I promise you'll be alright. Life is not easy, but you are the reason. I keep holding on, cause baby it's worth it. Your love is like a string. Hop. Salut. Wow. Monsieur Dami, comment tu vas? Comment tu as fait pour me retrouver? Tu ne m'as même pas appelé. J'ai grandi dans ces environs. Donc, c'était très facile de localiser l'adresse que tu m'as donnée. D'accord. Assieds-toi, s'il te plaît. Non, non, ne te dérange pas. Tu en es sûr? Oui. Et comment va Monsieur William? Monsieur William est sur un lit d'hôpital. Il m'a dit que tu as toujours voulu un restaurant. Et il m'a dit de te transférer la somme de 50 millions de naira. 50 millions? 50 millions de naira. Tu y es sérieux? Oui. Que tu me donnes 50 millions? Ouais. Tu plaisantes, s'il te plaît, est-ce que tu es sérieux? Non, 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 je suis très sérieux. J'ai dû venir ici pour te le dire moi-même. Tu comprends? Comme ça, je pourrais avoir les détails pour le transfert. Ah, merci, que Dieu le bénisse, abondamment. Hey, 50 millions! Ah, mais comment est-ce qu'il va? J'espère qu'il va bien. Je dois l'appeler pour le remercier, comment va-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Comment va Monsieur William?
you to leave me, stay with me. Even just for tonight, stay with me. I don't want you back in the streets. Bonjour, madame. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, madame. J'espère que tu as ton hôtel dessus. Oui, tout est là. C'est tout ce dont nous aurons besoin. Oui, madame. Oscar, comment est-ce que ça se passe? J'espère que tu as nettoyé partout. Oui, madame, tout est propre. La clim fonctionne. Tout va bien, très bien, madame. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Hey, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Avez-vous passé votre commande? Oui, madame. Soyez juste patient. Merci. Pourquoi est-ce que tout ceci est là? Emeka, qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, je n'aime vraiment pas ça. Tout doit être en ordre par ici. Ah. Hey! Bonjour, comment tu vas? Salut, ma puce. Comment tu vas? J'espère que vous passez un bon moment. Faites-le-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Hey, bon après-midi. J'espère que vous profitez de vos boissons et que le service était parfait. D'accord. Dis-moi, comment est-ce que ça va le travail? T'as besoin de quelque chose dans ton bar? Non. Toutes les boissons sont... Tout va bien. Très bien. Ok. C'est tellement bon de te voir. Eh bien, ça l'est toujours, ma chère femme. J'aime cet endroit. J'aime ce que nous avons fait de ça. Eh bien, c'était ton... Qu'est-ce que je vais dire? Ton excès de créativité. Et combiné avec ta magie. Mais tu sais que le document n'est pas complet sans ta signature. Alors, je veux que tu le fasses. D'accord, mon ange. Allez, suis-moi. D'accord, je vais te suivre. I don't want you to leave me. Stay with me. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. To leave me, stay.
put you back in the streets. Stay with me, even just for tonight. Stay with me. Just for tonight, stay with me. Life is not easy, but you are the reason. I keep holding on and on, 'cause baby it's worth it. Your love is like a string of hope. I'm in love with you, my darling and my hope. You the hope I can't deny, the story of my life. Give me love and I will stay by your side. Fight for me and I will give you my life. One day at a time, I promise you'll be right. Life is not easy, but you are the reason. I keep holding on and